le dispositif qu'on a appelé École au top de Sénart, dans lequel aujourd'hui 6 écoles sont rentrées. C'est un dispositif qui a permis aux écoles de donner un cadre. On en a beaucoup parlé ce matin, parce que les enseignants faisaient beaucoup de choses, mais à l'échelle de la classe, et il manquait de cadre pour lancer ces projets vraiment plus globaux, qui vont concerner non plus seulement les élèves et les enseignants, mais aussi les parents d'élèves, les partenaires, les collectivités. Donc ce projet-là, voilà, a eu vocation, en tout cas, de proposer aux établissements volontaires, et c'est important, sur le territoire de Sénart, de se lancer dans ces démarches-là. On propose aux écoles de se lancer dans une ou plusieurs thématiques chaque année, proposer quelque chose de plus, enfin, d'assez souple pour permettre à chaque établissement d'adapter à son contexte, à la dynamique qu'ils ont, aux partenaires en tout cas qui les accompagnaient ou pas, de choisir un peu la formule qu'ils souhaitaient. Donc on a toujours cette même méthodologie, constituer un comité de suivi, faire élire des éco-délégués avec une petite formation proposée aux éco-délégués, formation pour les enseignants quand ils le souhaitent, là aussi il n'y a pas d'obligation, le fameux diagnostic, et puis le plan d'action et l'évaluation en fin d'année. La Maison de l'Environnement nous propose cet accompagnement méthodologique ou pas. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 2-3 ans, les écoles deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont bien compris cette méthodologie importante, la Maison de l'Environnement n'accompagne plus forcément sur la partie méthodologique. Par contre, on propose de toute façon un accompagnement pédagogique, s'il y a besoin d'intervenir pour sensibiliser ou autre, et un accompagnement technique aussi, si besoin, voire financier. Donc en fait, on s'adapte aux besoins des écoles, aux demandes des écoles. Nous, on a fait le choix de proposer 10 entrées thématiques qui, a priori, donc quelles que soient les envies et les sujets abordés, ils rentrent de toute façon dans une des 10 thématiques qui sont censées illustrer le développement durable. Mais en tout cas, il n'y a pas de labellisation, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on fait un bilan de la méthodologie, des actions menées. À la fin de la première année, on donne un panneau que les écoles accrochent à l'extérieur de leur établissement pour montrer qu'elles sont rentrées dans la démarche école au top. Donc à la fin de la première année, en fait, c'est cette petite validation, et ce n'est pas une labellisation qui permet de valoriser l'entrée dans cette démarche-là.